Bonsoir à tous et bienvenue dans Warm Up, l'émission de la Web TV du concours hippique international de Genève. On est toujours ici au cœur du village des exposants sur ce plateau pour vous parler jusqu'à dimanche de ce bel événement qui vit sa 57e édition. Et ce soir, je suis très bien entouré. Trois demoiselles à mes côtés, quatrième invitée surprise tout à l'heure, vous allez le voir en fin d'émission. Tout d'abord la cavalière portugaise Luciana Diniz qui a brillé dans les étapes du Grand Chelem avec des deuxièmes places à Aix-la-Chapelle et Spruce Meadow cette année. Antonella Joannou qui est cavalière de dressage genevoise qui vient elle aussi de briller dans le Grand Prix avec une magnifique troisième place qui la qualifie pour l'épreuve majeure de demain. Et enfin, la journaliste Alexandra Claude qui m'accompagne à la présentation de l'émission. Bonsoir vous trois. Bonsoir. Alors, bonsoir. Avant de vous retrouver, on évoque l'actualité du jour. C'est d'abord la nomination du Français Kevin Staut à la présidence du Club international des cavaliers de Sceaux, réunis ce matin en Assemblée générale extraordinaire. On le voit ici au centre sur la photo, aux côtés des autres membres du board, parmi lesquels les Suisses Steve Gerda et Christine Alibert, qui était l'ancienne présidente. Luciana Diniz, alors vous êtes, comme tous les cavaliers, j'imagine, toujours contente de venir ici à Genève. Quelle est l'importance du concours de Genève dans votre calendrier des concours? Genève, je dis que c'est un rêve de concours. C'est un concours que tout le monde espère de sauter un jour. C'est un peu comme Aix-la-Chapelle. Donc pour moi, pour venir toutes les années à Genève, c'est un but que je travaille beaucoup pour faire un bon concours ici. Un concours que vous appréciez et puis on va revenir un peu à l'origine hein, parce que vous êtes né au Brésil et puis le cheval finalement il a occupé une place depuis que vous êtes né dans votre vie. La vérité c'était que c'est mon cheval qui est la personne responsable pour moi de changer la nationalité. J'ai dit mon cheval sont mon ami et j'étais un cheval qui s'appelle Dover. Et j'ai monté pour le Brésil, les Jeux Olympiques d'Athènes, et je vais faire les Jeux Mondiaux d'Aachen, Aix-la-Chapelle, en 2006. Et la Fédération du Brésil dit non, avec ce cheval, tu n'es pas dans l'équipe. J'ai dit oui, mais c'est le cheval que je crois qu'il peut faire, c'est le meilleur cheval que j'ai. Non, avec ce cheval, non. Donc j'ai changé mon nationalité, et après, j'étais la meilleure, mais comme portugais, dans les Jeux Mondiaux en Aix-la-Chapelle. Ils doivent regretter quand même un peu maintenant le Brésil, non? Oui, mais je crois que la vie, c'est tout c'est est parfait. Ça, oui. On fait les choix, et la conséquence de tout qu'on a fait, c'est ça. Parce qu'après, j'ai grandi aussi beaucoup comme cavalier. Et pour Portugal, j'ai beaucoup de, comment on dit, support. Toutes les personnes sont avec moi, derrière. Je crois que Portugal est aujourd'hui dans l'autre niveau qu'avant. Donc tout va bien. Donc vous avez une vraie reconnaissance pour vous, pour votre sport au Portugal aussi. Hein? Oui, je crois aussi. Et aussi dans le corps de mon grand-père, qui est portugais. Il m'a demandé beaucoup de fois pour changer pour Portugal, mais j'ai dit non, je reste brésilienne. Donc c'était tout une chose très émotionnelle aussi, mais pour les sports aussi c'était très bon. Alors comme Antonella Joannou, vous avez commencé par le dressage. Qu'est-ce qui vous a fait changer pour le saut? Oui, j'ai commencé avec dressage, je viens de la famille, ma mère elle a monté, ma maman, mon grand-père. Et nous trois, on a monté le même cheval, Marco. C'était un cheval qui était très spécial pour notre famille. Et quand il est passé pour l'autre côté, j'ai dit que je n'ai jamais même monté dans ma vie. Et c'est ça que j'ai changé pour les sautes. Alors, Luciana Diniz, on va continuer à parler de vous, hein, de votre carrière qui est intéressante aussi parce qu'au-delà du cheval, vous intéressez à quantité d'autres choses. On aura le plaisir de vous entendre. Mais avant, Alexandra, coup de projecteur sur les chefs de piste, des personnages incontournables du concours. Oui, tout à fait. Depuis cette année, eh bien, les organisateurs ont décidé d'innover. Hein. Ils ont décidé de garder Gérard Lachat, le Suisse chef de piste depuis des années ici à Genève. Mais pour apporter un petit peu de nouveauté, ils ont décidé de lui adjoindre régulièrement quelqu'un de différent. Alors pour cette année et peut-être quelques-unes des éditions suivantes, eh bien, c'est le Néerlandais Louis Konings qui a été invité. Alors les deux hommes ont l'habitude de travailler ensemble, hein, notamment cet été à Göteborg, ils ont déjà travaillé tous les deux. Oui. Voilà, exactement. Donc cette fois, ils officient ensemble à Genève. On vous propose d'écouter Louis Konings. First impression is it's a big arena, but there's something special, and I think that's the enthusiasm of the audience.
They make that arena. Yeah, it's a process. It's always thinking what could be a nicer line, a better line. Riders improve, footing improve, fences are more delicate, and you have always finding a new line that it's new for you, and that gives also the challenge to find that line. Yeah, you have here a mix of jumps. It's some historic cultural jumps. It's typical to the Swiss. And that's nice on television because people from abroad they recognize directly we are in Swiss. On the other hand, we have also some modern fences, and I like them also because of the design. Oh, I know Gérard for a long time. We have been together also in a lot of shows. We supported each other, and I was always spying here when he was building this Hall of Ludi. Chenadinis, un mot sur le travail important des constructeurs, des chefs de piste. Ce sont vraiment des partenaires dans le saut d'obstacles. Je crois que c'est un job qui est très important pour nous, les cavaliers, qu'on a un bon chef d'équipe, un bon chef de parcours. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je crois que c'est très difficile pour construire un bon parcours. Des parcours qui a seulement pas les obstacles qui sont hauts et techniques, ça ne va pas marcher pour nous. On doit que construire quelque chose avec feeling. Et ça, je crois que ce n'est pas facile aujourd'hui. Les chevaux, ils sautent plus et plus. Un moment, on a tous les... on va parler de la guêtre derrière, qui est encore dans les sports, qui je crois que ce n'est pas très bon pour nous. Donc le chef d'équipe, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire pour que tous les chevaux soient zéro. Donc il doit que... c'est très créatif. Créatif et construire quelque chose avec feeling aussi. Que tu as une faute partout. J'aime quand les parcours sont comme ça. On vous sent attaché au feeling, à la sensibilité, à la douceur. Ça fait aussi partie de votre approche, l'approche que vous avez créée qui s'appelle GROW, G-R-O-W. Vous pouvez nous détailler en deux mots cette approche? Ah oui, ça c'est très sympa. Oui, ça c'est un rêve de projet que j'ai créé déjà beaucoup de ans. Mais maintenant, il est reality. Maintenant, il a tourné la réalité pour nous et pour beaucoup de cavaliers. Donc, j'ai créé une philosophie de vie qui s'appelle GROW, qu'on doit que transformer notre but en réalité avec notre travail. J'ai créé aussi la philosophie de GROW avec les 8 aspects qui sont importants pour nous pour avoir un bon vivre, aussi un bon vie. On va vivre très bien aussi, on va tourner bon cavalier. On va travailler dans le body, mind and spirit. C'est seulement on va dire je suis un bon cavalier. Oh non, on doit que travailler pour bien devenir un bon cavalier. Alors vous avez écrit des livres aussi, puis vous donnez des cours, des stages. On peut venir chez vous pour apprendre cette méthode et s'améliorer. Je crois que ça c'est mon rêve de comment on dit to share. Je aime partager. Oui, merci beaucoup. Et comme on dit, ce rêve, c'est réalité maintenant. J'ai fait l'étage, j'écrivais les livres. Le deuxième livre, il va venir aussi en janvier. Le troisième livre, il va venir aussi en 4-5 mois. So, c'est une passion que j'ai transformée maintenant en réalité pour partager avec tous les cavaliers, tout mon fans. Je suis très contente au moment. Vous nous parlez donc de votre philosophie, de votre méthode. Vous avez aussi une hygiène de vie qui est quand même assez, assez particulière. Vous faites attention à votre ligne. Vous faites aussi pas mal de sport à côté de l'équitation, de la boxe, de la méditation aussi également. Alors, où est-ce que vous trouvez le temps déjà de faire tout ça et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre équitation? Ça, c'est très intéressant. Mon fils, il m'a dit, maman, tu as la supermom. C'est pas un superman, tu as la supermom. Oui, il m'a donné un petit cadeau, c'était un supermom. Et c'était très sympa. Je crois qu'on fait des corps. Et ça, c'est parce que j'aime ce concours ici. Parce qu'Alban, il a dit aujourd'hui dans la... Bon Poudret, le directeur sportif du concours. Et on était rendez-vous aujourd'hui pour les meetings des Riders Club. Oui. Il a dit... Tout ce qu'il fait ici dans ce concours, c'est avec le corps. C'est la passion des chevaux, la passion de faire un bon concours.
Et comme moi, c'est la même chose. J'aime les chevaux, j'aime monter, j'aime partager. Donc tout ce que j'ai fait avec mon corps. Mais finalement, on le voit aussi parce que vous êtes toujours très expressive, notamment quand vous terminez des parcours ou vous caressez, vous flattez votre cheval, vous souriez, vous êtes rayonnante. Finalement, vous transmettez cette passion, ce plaisir aussi au public et le public vous aime aussi pour ça. Merci beaucoup. Je crois qu'on monte, c'est un feeling. Quand on monte avec l'émotion. Je suis aussi très émotionnelle. Donc, quand j'ai un bon concours, je suis très contente. Quand je ne suis pas parfaite dans les parcours, j'apprends quelque chose. Donc, si on transforme toutes les choses qui ne sont pas parfaites pour quelque chose d'apprendre, on grandit tous les jours. Donc, vous partagez cette approche, Antonella Joannou, vous aussi, ce relationnel spécial qu'il faut développer avec le cheval, se sentir bien soi-même aussi? Oui, c'est sûr. Il faut beaucoup d'équilibre. Pour le dressage, il faut aussi beaucoup d'équilibre, beaucoup de contrôle de son corps. C'est très précis. Le niveau maintenant, il est très haut. Et donc, beaucoup de mouvements, c'est très précis par rapport à la balance du cheval, par rapport à toute son énergie au bon moment. Et c'est sûr que la relation qu'on doit avoir avec son cheval, émotionnelle aussi, de donner beaucoup de concentration à un moment précis, c'est très important. Quand on monte à cheval, on vit des moments exceptionnels, hein, Luciana Diniz. Un des moments forts, c'était les JO, hein, à Rio, j'imagine, dans le pays de son enfance. Ça, c'était un moment fort dans votre vie? Je crois que c'était le plus fort moment dans ma vie, dans mon sport. Comme vous avez dit, c'est mon pays, mais j'ai monté pour un autre pays. Donc, j'étais des pays de mon côté. Et toutes les personnes, je crois, dans le public, c'était pour moi aussi. Toute la famille, elle était là. C'était beaucoup de pression aussi. Pour avoir et fait bien là. Qui, quand je n'ai pas gagné la médaille, que je pensais que peut-être j'ai une chance, j'étais après très frustrée. L'émotion, elle a venu comme ça. Mais j'ai transformé la frustration en libre. Donc, c'était enfin, c'était tout parfait. La médaille, elle est de Nick Skelton. Il a gagné la médaille d'or avec Quickstar. C'est lui qui a mérité, c'était parfait aussi. Et moi, je vais travailler très dur maintenant pour gagner à Tokyo. Ça, c'est mon but. Alors, vous continuez à travailler très dur. Vous avez déjà une belle et longue carrière derrière vous. Si vous aviez un rêve dans la tête de remporter un titre, une victoire, ce serait lesquels? Je crois que le rêve, c'est Tokyo. Je crois que je travaille pour ça. Et tous les projets que j'ai fait avec Gros, avec les chevaux, toutes les personnes, tous les fans, c'est le chemin. Je dis que the happiness is not at the destination, it's in the way. So, je crois que tous les jours qu'on a un but, never give up your dreams. Ça, c'est le motto qu'on fait, qu'on travaille tous les jours avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de force. Et c'est comme je pense. C'est ce qui vous motive au jour le jour, hein, car les journées sont longues, elles sont bien remplies. Il y a des fois des petits passages à vide. Antonella Joannou, vous, en dressage, c'est pareil. Hein, vous rejoignez ce que dit aussi Luciana. Il y a des moments difficiles. C'est 4-5 minutes sur la piste, mais des heures à l'entraînement, beaucoup de sacrifices aussi. Et puis, il faut s'en sortir financièrement parce qu'une saison, ça coûte. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que je rejoins Luciana. C'est vrai que le plaisir, c'est de découvrir encore des petites choses, des petites finesses, de se coucher le soir et de se dire « demain, je me réjouis, je vais essayer ça encore. Peut-être j'ai encore plus de perfection. » Et ça, c'est petits détails. On va de petits détails en petits détails. Ouais. Et on revient tout le temps comme un petit chemin, comme ça, dire « ah, mais ça, c'était top, je fais ça. Ouais. » Ça, c'est vraiment passionnant. Alors, on va continuer à parler de dressage, hein, avec Antonella Joannou. Mais avant, Alexandra, on revient sur la grosse épreuve d'hier soir, hein, c'était le Crédit Suisse Geneva Classic. On va évoquer avec vous un résumé, mais avant, voici votre reportage qui relate ce qui s'est passé. Et on évoquera aussi les très impressionnantes six barres. On a longtemps cru Abdel Saïd imbattable, tant il avait mis la barre haut. Parti en début d'épreuve, l'Égyptien a signé un super chrono et a d'ailleurs gardé longtemps la tête. Plusieurs ont tenté de le détrôner, à l'image du Belge Grégory Watley, qui a pris une belle option pour aller chercher le dernier obstacle. Mais ce n'était pas suffisant pour l'emporter. Il a fallu attendre le passage du numéro 34, Harry Smulders, pour que la tête de classement change. Le Hollandais a adopté une belle cadence dès le départ, mais n'a pas semblé forcé.
Pourtant, au franchissement de la ligne d'arrivée, le résultat était clair. 7 centièmes de moins pour le vice-champion d'Europe 2017. When I walked the class, I was sure it was a very challenging class. Quite big for the first day. And that's why I'm also very proud on Xenius in this field of horses that we could win. I think every day there is a big competition here. And Saturday in the top 10 I will ride Don VHP. And I was also planning to ride him on Sunday. So I will use Xenius tomorrow or Saturday. Au final, deuxième place pour Abdel Saïd et l'américaine Laura Kraut, meilleure femme, complète le podium. À l'issue de l'épreuve, l'Égyptien était tout de même satisfait de sa performance. Yeah, I must say the course builder did a good job today. It's difficult to always build a big class like this as a Grand Prix, as a Table A speed. It was difficult, technical, but I'm really happy with how my horse jumped today. Well, I must say my little mare feels really good here. She always jumps well. Last year she jumped great as well. I'm still not sure. I have a new horse here that I'm going to ride tomorrow in the big class, and then I'm going to decide whether to jump Hope or Callisto in the Grand Prix on Sunday. Meilleur Suisse de cette épreuve, Romain Duguay, auteur d'un bon sans faute avec Sherazade de Gévaudan. Il termine 8e. On l'a dit, cette épreuve était la première du week-end qualificatif pour le Grand Prix Rolex de dimanche. Les 4 heureux élus sont Abdel Saïd, Laura Kraut, Grégory Watley, 4e, et Jérôme Guéry, 5e. Harry Smulders étant déjà qualifié grâce à sa médaille d'argent aux derniers Européens. Un mot sur les 6 bars qui ont clôturé cette première soirée de compétition. Ils étaient 13 au départ, il n'en restait plus que 5 au troisième barrage. Et c'est le dernier à s'être élancé, Pius Schwitzer, qui s'est imposé dans cette épreuve en selle sur Shidam Z. Voilà donc pour les temps forts d'hier. Luciana Diniz, on va vous libérer, hein, car vous devez aller vous préparer pour la grosse épreuve du jour. C'est le Crédit Suisse Grand Prix. On vous remercie d'être venu partager un moment avec nous et partager aussi toute votre approche et philosophie avec les chevaux. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour avoir cette opportunité hier avec vous. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et tout bon d'ici là jusqu'à dimanche ici à Genève. Alors, justement, Alexandra, Luciana va se préparer pour ce Crédit Suisse Grand Prix qui débute à 19h15 ce soir. Ce sera vraiment une grosse épreuve, hein, épreuve avec beaucoup d'enjeux. Et oui, la deuxième épreuve majeure de cette 57e édition du concours hippique de Genève, épreuve qualificative pour le Grand Prix Rolex de dimanche. Il y a 22 places, 22 sésames, hein, si on veut bien, à décrocher pour dimanche, alors qu'ils seront 50 concurrents dans cette épreuve avec barrage. On se souvient, l'an dernier, c'est Kent Farrington qui avait remporté cette épreuve. On le voit à l'image, c'était avec Credence. Et on peut aussi dire que hier, déjà, 4 cavaliers se sont qualifiés grâce à leurs résultats dans le Crédit Suisse Geneva Classic. Et une épreuve que vous pourrez suivre, comme toutes les autres, bien sûr, sur le streaming live du site internet du concours, chi-genève.ch, mais aussi sur la page Facebook du concours, Concours Hippique International de Genève. On retrouve Antonella Joannou pour parler de dressage. Après 15 ans d'absence, le dressage qui a fait son retour ici à Palexpo l'an dernier pour votre plus grand plaisir, le plaisir du public, mais aussi votre plus grand plaisir. Antonella, quand on court comme ça à domicile et qu'on peut présenter tout ce qui se fait de mieux dans sa discipline, c'est le rêve finalement. C'est le rêve d'être déjà sur cette piste qui est magnifique. C'est le rêve de côtoyer des grands cavaliers de 4 étoiles l'année dernière et de 5 étoiles cette année. C'était magique. Alors les 5 étoiles, le préciser, hein, pour le public néophyte, c'est vraiment la concurrence qui est encore plus vive que le 4 étoiles par rapport à l'an dernier. Exactement. Le 5 étoiles, c'est vraiment au niveau du ranking, c'est le plus élevé. Enfin, c'est les meilleurs qui sont là. Et puis un mot sur votre magnifique prestation de tout à l'heure. Un 3e dans ce Grand Prix. C'est le meilleur résultat en 5 étoiles. J'imagine que vous êtes aux anges, hein, ce soir. Je suis ravie. C'était effectivement pour moi le meilleur résultat, mais surtout, on monte surtout pour le plaisir et la sensation. Et c'était pour moi la meilleure communication avec mon cheval, la meilleure sensation avec mon cheval. Et vous me disiez tout à l'heure... J'en ai perdu ma voix. Oui, on vous entend bien grâce au bon micro de Nicolas Bossard. Merci. Notre réalisateur, et toute son équipe qui fait un magnifique travail et qu'on remercie d'ailleurs. Antonella, vous me parliez tout à l'heure, on parlait un peu de l'évolution du cheval, hein, on vous voit d'ailleurs sur ces images, c'est magnifique. Vous disiez que ça vous a aussi aidé
de concourir déjà l'an dernier ici, mais aussi vous avez travaillé sur le cheval avec des aides un peu extérieures, hein, c'est-à-dire... On a travaillé avec un vétérinaire qui est physiothérapeute et aussi qui fait de la communication instinctive, on dit. Et on essaye aussi d'aborder le cheval d'une autre manière, vraiment en essayant d'enlever le plus de contractions possible dans le travail et dans l'effort, il y ait de moins en moins de tension parce que le niveau est très élevé. Pour faire le Grand Prix, c'est forcément qu'on force le cheval dans des positions et on essaie de le faire avec le meilleur chemin possible pour lui. Et du coup, les résultats sont là avec les résultats, déjà c'est génial cette, parce qu'ils sont là. Place aujourd'hui. Effectivement, c'est de plus en plus facile pour le cheval. Et vous êtes du coup troisième derrière l'Allemande Isabelle Werth et une autre Allemande aussi, Bernadette Brun. Si on regarde un petit peu les notes, vous avez obtenu 71,780%. C'est quand même une note qui correspond à votre performance selon vous et dont vous êtes satisfaite. Ah mais je ne sais pas. C'est comme je vais dire en dressage, on monte surtout pour cette relation, ce plaisir. Je trouve génial la note. Je suis ravie. Et du coup, vous avez décroché votre qualification pour la reprise libre en musique de demain. Quel sera votre objectif ? Eh bien, de nouveau, d'avoir une très bonne complicité avec mon cheval, de prendre du plaisir et puis d'essayer d'en donner un petit peu, de partager cette émotion avec lui, avec les gens qui m'entourent proches et plus éloignés. Antonella Joannou, vous êtes, comme tous les participants aux épreuves de dressage, soumis au regard très critique, très pointu de spécialistes des juges. Hein. Ils sont 5 disposés au bord du terrain. On en a rencontré un. Hein. C'est le juge international français Raphaël Salé. Il nous parle de son rôle, des critères de jugement, notamment au micro d'Anouchka Gerber. La discipline du dressage, j'aime bien l'apparenter un peu à la façon de regarder la gymnastique du cheval. Hein, dans cette idée de dressage, on a cette idée d'athlète, mais on a aussi cette idée de souplesse. C'est pas juste faire des mouvements. Le dressage, c'est vraiment la mère de toutes les disciplines. Et le but premier, c'est de développer le physique et le mental du cheval. Alors le juge est là pour être un peu le cadre et essayer, d'abord il doit faire un classement, il doit trouver qui est le meilleur et qui est le moins bon, ce qui nous rend un peu moins populaire, et en suivant l'équitation classique. Ce qui nous aide beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'échelle de progression ou l'échelle de formation du cheval. Donc c'est un ensemble de points sur lesquels on contrôle si le cheval est bien éduqué ou pas. Le premier point, c'est la régularité des allures. On veut un cheval bien régulier. Le deuxième point, c'est la souplesse. Il doit être décontracté, souple, les muscles doivent bouger. Ensuite, on regarde la qualité du contact, de la connexion. Et on va ainsi se faisant le long de cette grille d'éducation. Après, on regarde si le cheval est dans l'impulsion, s'il est droit, comment il est capable de passer les transitions, son équilibre, son rassemblé. Et ça, c'est la ligne, si vous voulez, qui nous amène à juger. Et ensuite, on regarde des critères propres à chaque mouvement. Hein, si le cheval est bien curvé, bien plié dans un appuyé, par exemple, comment est son croisement, etc., etc. Comme je vous disais, on est concentré sur des objectifs techniques. Et quand on est dans le flow, on ne voit pas la tête du cavalier. Vraiment, on juge mouvement après mouvement et c'est le résultat qui vient comme ça. Très intéressant de voir comment travaillent les juges, hein, sur quels critères, sur quels aspects ils se basent pour vous attribuer des notes, hein, leur jugement. Quelle relation vous avez, Antonella Joannou, vous, cavalier de dressage, avec les juges? Est-ce que c'est chacun de son côté? Est-ce qu'on s'évite ou est-ce qu'on échange, on partage de façon constructive? Non, on a vraiment la chance d'échanger avec eux, avec beaucoup de juges. Ils sont vraiment de très bons conseils parce qu'ils ont un très bon œil. Parfois même peut-être plus pointu que certains entraîneurs. Ils arrivent à dire, tiens, dans ton épreuve, tu as ça comme problème, tu dois régler tel équilibre et telle chose. Et vraiment, c'est vraiment très instructif pour nous. Oui, donc il y a quand même un mini débriefing, si on peut appeler ça, et un débriefing constructif qui vous permet d'évoluer. On entend souvent dire que les juges se basent aussi sur le palmarès du cheval, la réputation du cavalier, la nationalité. Est-ce que ça, c'est une légende ou est-ce que c'est le cas et est-ce que ça décourage un peu? Alors, c'est malheureusement le cas. Malheureusement, je ne sais pas. C'est aussi tellement de travail en amont que je pense que des tout grands athlètes comme Isabelle, c'est normal qu'ils ont aussi leur réputation et leur performance qu'ils prennent avec eux. Mais je pense que quand on aime cette discipline, on accepte complètement ça.
Un mot enfin sur votre vie de cavalière de dressage. Hein, c'est pas facile à nouer les deux bouts. Il y a beaucoup de frais, on l'a dit, pour boucler une saison, pour participer à tous ces concours. Hein. Vous déplacez souvent en Suisse, mais aussi à l'étranger. Qui vous aide là? Est-ce que vous avez réussi à drainer des sponsors autour de votre projet? Alors jusqu'à maintenant, j'ai surtout eu des particuliers, des amis très proches qui m'ont aidé. Et puis là, peut-être, j'ai peut-être un nouveau partenaire avec un maître horloger qui est Antoine Precioso. Mais voilà, c'est vrai que les saisons coûtent cher, les chevaux coûtent cher. J'ai seulement Dandy à moi. Il faudrait, relève. Mais je n'ai pas les moyens pour l'instant d'avoir un autre cheval et de m'en occuper, parce que ce n'est pas tout d'avoir un cheval, mais c'est de s'en occuper, le temps que ça prend et les soins qui vont tout autour du cheval. Merci beaucoup Antonella Joannou d'avoir partagé ce moment. On vous retrouve demain à 8h15 hein, le matin. Il faudra se lever tôt pour venir vous voir pour la première épreuve. Et le grand prix à 15h, voilà, pour de belles épreuves où on verra aussi à l'œuvre l'Allemande Isabelle Werth, hein, que vous essayerez peut-être de détrôner. Difficile quand même. Ça va être dur hein, quand même. Mais bon, en tout cas, bravo déjà pour votre performance du jour. Merci. Alexandra, on va évoquer maintenant une belle initiative de la part des organisateurs du concours. C'est la journée des écoles. Oui, on peut dire que c'est désormais une tradition. Hein, le jeudi, les écoles de la région genevoise sont invitées à venir au concours hippique de Genève. Hier, c'était plus de 800 enfants hein, qui sont venus. Alors, ils ont regardé des épreuves, ils ont aussi découvert les coulisses du concours. Et puis, ils ont participé à des ateliers. Mais le plus grand moment pour eux, eh bien, c'était la rencontre avec la mascotte du concours hippique de Genève, Dags. Dags qui a cassé la marmite de l'escalade. Et on rigole parce que Dags a fait son apparition sur le plateau. Il embête Pascal. Et voilà, ça fallait s'y attendre. Non, moi c'est bon. Ah, on peut retourner vers Pascal. Salut Dags. Regardez, et il est génial ce Dags. Hein. Il est gentil. Il est beau, hein. Il est beau. Il piaffe bien. Alors justement, Dags, on aimerait te voir faire une figure de dressage. On te regarde. Ah, voilà. Oh, et magnifique. Oh, oui. Il mérite quelle note, là, Antonella? Il mérite une bonne note. Oh, il est câlin. En plus, il est tout doux. Oh, bah oui, j'ai droit aussi, c'est magnifique. Et si vous croisez Dags, eh ben, vous faites des photos parce qu'il est tout doux, il est beau, il est charmant. Ah, je crois qu'il veut parler. Dags, non, il parle pas. Hein. Il est muet, mais il fait des gestes. Ouh là là, il demande tout. C'est bizarre, ça amplifie un petit peu moins tout à coup le son de la voix. Vous aussi, hein, comme Dags, vous rencontrez vos supporters ici, vos fans, vous échangez avec eux, c'est agréable? Oui, j'ai de la chance. Tous les jeunes voix sont derrière moi et c'est vraiment très chouette pour ça. Ils s'arrêtent des fois, enfin ils vous arrêtent. Oui, c'est des gens que je connais peut-être depuis très longtemps, des gens, voilà, des familles aussi qui sont proches de moi. Et non, c'est très chouette, c'est très encourageant. Bon Dags, merci pour la visite. On te laisse aller vers tes supporters car tu as de nombreux fans. Hein. Tu es vraiment une star. Alors allez, merci pour la visite. T'étais super. Salut. Merci Dags. Alors, on va terminer cette émission comme hier avec un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux. Ah, il veut pas partir. Hein. Ah, il veut faire la photo. C'est pour la photo. Les réseaux sociaux. On va commencer Alexandra avec une caresse bien méritée aux champions d'hier, Alexandra. Et oui, caresse sur le chanfrein de Zinius, lauréat du Crédit Suisse Geneva Classic, hier soir sous la selle du Hollandais Harry Smulders. Photo publiée sur la page du site web World of Show Jumping, l'un des nombreux médias présents ici à Genève, compte suivi par plus de 61 000 personnes. Honneur maintenant au dressage avec une belle photo de Patrick Kittel qui se réjouit d'être ici à Genève. Et oui, le cavalier suédois effectivement qui se réjouit d'être présent avec Willy, hein, Weldon de la Roche, qui vient du même élevage que Dandy, le cheval d'Antonella Joannou. Alors il demandait qu'on lui tienne les pouces et finalement il a terminé quatrième aujourd'hui, juste derrière de nouveau Antonella et Dandy. Et de jolis sourires sur cette photo de la lignée de champions hein, publiée sur le compte du Français Simon Delestre. Et oui, ce sont les cavaliers du team Hermès avec de gauche à droite Pedro Venis, Ben Asselin, Daniel Blumann, Jérôme Guéry, Simon Delestre lui-même et Romain Duguay. On a évoqué tout à l'heure le travail des constructeurs et cette année, ils ont le plaisir d'avoir
dans l'éventail de tous les obstacles, 9 nouveaux obstacles qui sont présentés en photo sur le site et le compte du concours. Oui, et on peut voir sur cette publication Instagram cet obstacle typiquement suisse hein, qui fait partie des 105 tonnes, on l'avait dit hier, de matériel stocké dans des containers chaque année en attendant le grand rendez-vous Genevois. Antonella, on va vous remercier encore une fois d'être restée avec nous, malgré la voix qui faiblit, mais on vous a bien compris. Merci et à vous. On croise les doigts, on vous souhaite bonne chance pour les dernières épreuves de demain. Merci. Demain d'ailleurs, le chef de l'équipe de France de saut d'obstacle, Figuerda, sera notre invité principal de cette émission. Nous recevrons aussi des représentants du Crédit Suisse qui nous parleront d'une belle initiative qu'ils ont lancée, un lien avec l'équitation et l'horlogerie. Et puis, autre rendez-vous à ne pas manquer, Alexandra. Oui, surtout à ne pas manquer la séance de dédicace de Steve Guerda sur le stand du mensuel hippique Le Cavalier Roman. Ce sera donc demain samedi à 15h. On vous rappelle le site internet du concours, chi-genève.ch, la page Facebook, le hashtag aussi. Hashtag CHI Genève. Rendez-vous demain donc pour la troisième émission de Warm Up, diffusée à 19h40 sur l'écran géant de Palexpo, le site internet et la page Facebook. Si vous avez des questions pour Philippe Guerda, ce sera en commentaire d'une bande-annonce qu'on vous publiera dans la soirée. Donc, on vous retrouve demain. Une très belle soirée avec beaucoup de grands sports qui vous attendent ce soir ici à Palexpo.